Ce garçon, on pense qu'il est sur la voie de ses aînés et il a qu'un défaut, il est marseillais. Mais vous allez voir, il se rattrape bien. C'est un imitateur, mais pas comme vous avez l'habitude d'en voir, avec des trucs, des machins, tout pareil. Lui, il est complètement fou, déjanté. Et comme disait Boris Vian, j'adore les fêlures parce qu'elle laisse passer la lumière. Lui, il la laisse passer plein pot, je vous garantis. Regardez bien et applaudissez-le. Il est immense, c'est un amour. Il a mis le feu sur cette tournée. On l'adore et on l'oubliera pas. D'ailleurs, j'ai un tatouage maintenant. Benji Dotti. Il fait chaud. Bonsoir Toulon. Il fait chaud. Bonsoir Toulon. Il fait chaud. Arrête la musique, arrête la musique. J'en peux plus, cette musique. Hein. C'est incroyable, je suis tapé deux mois avec cette musique. J'en peux plus. Hein. Ça va Toulon? C'est génial, je suis super content d'être ici à Toulon. Mais en plus, mon producteur Fantasy Prod, Jérôme Leleu, qu'on peut applaudir très très fort, c'est grâce à lui que je suis aussi ici ce soir. Et il est de Toulon en plus, hein. Il y a des Toulonnais ici? Alors ça va. Il m'a dit, tu vas voir avec Michel, il m'a dit, tu vas voir, tu vas t'éclater, il y a une tournée, tu vas t'éclater, il n'y a que des jeunes. Tu peux m'éclairer un peu le parking? Ouais, ils vont pas tarder, hein, ils vont arriver, hein, ils vont. Non, j'adore les vieux, ça va les vieux. Éteins, c'est Halloween. Ouais, ils sont déguisés et tout, ils ont. Ça va les vieux? J'adore les vieux. Moi j'ai fait la croisière achetant des jambes de bois, je suis formé pour les vieux. Vous connaissez la croisière achetant des jambes de bois? Tu fous 2000 vieux sur un bateau avec des chanteurs que tu croyais morts depuis des années. C'est horrible. Moi j'étais dans les couloirs du bateau, je cherchais ma chambre et je tombe nez à nez avec Gérard Lenormand. Il me regarde, il me fait « Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis », tu vois. Ça fait flipper, hein. Et là je me retourne, je tombe nez à nez avec Régine. Ah ! L'horreur, Régine. Très tendue, Régine, hein, très tendue. Ah ouais. D'ailleurs elle s'est fait tirer tout le long de la croisière. Hein. Ah ouais. Qui y avait encore? Ah ouais, ouais. D'autres choses, il y avait Dave. L'Amsterdamer. Il est arrivé sur le bateau et s'est tapé tout l'équipage. Notamment le capitaine du bateau, un bel italien. Hein. Un ancien de chez Croisière Costa. C'est le style de mec qui couche et qui abandonne le navire. Hein. Tu vois le truc. Alors, un truc horrible également, c'était Julio Iglesias. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était sur le bateau, ici, il fallait le voir, quand il signait ses autographes sur les boîtes de Viagra et de Ténacouche. Et toutes les mémés, le dentier et tout. Les Michou. Alors, il y avait également Enrico Macias, vous vous rappelez, quand il faisait la gueule. Il fait toujours la gueule, Enrico Macias, vous avez remarqué? Là, il s'était fait emmerder par les Roms avant d'embarquer sur le bateau. Et il y a des Roms dans la salle? Bon, il y a un de moins qui s'est fait écraser. Il y a un petit village là-bas derrière, on les a découverts tout à l'heure, c'est vraiment super. Vous voulez que je vous fasse un extrait de la croisière achetant des jambes de bois? Oui. Vous voulez? Oui. Alors c'est parti, envoie le générique. Et on commence avec Dave. On m'oublie, il y a longtemps mes cheveux ont jauni. Ils ne valent plus de moi, les garçons de 16 ans. Pourtant je fais de mon mieux pour paraître moins vieux. J'irai bien refaire un tour du côté de mes fans dans le marais pour un jour, je leur donnerai rendez-vous chez Eugène. Pourquoi pas finir la nuit chez Michou? On pourrait refaire encore, pourquoi pas un concert? Je suis sûr qu'il paierait cher. Ce serait vraiment le bonheur. Tous ensemble, j'irai. Julio. J'ai les charmes, mon sourire les attire et c'est mon âme. Mais lorsqu'elle prend la pose que je
un cadre pâte sur le lit, rien n'est en route. J'ai beau pousser fort, je ne vois rien paraître. Cette fausse me fait toujours perdre la tête. Pour les femmes, j'ai honneur, ou Viagra, ou Beredo, et comme un âne. Et les diables me pardonnent, car vouez-moi tous les saints, moi je me donne. On continue avec Régine, mesdames, messieurs. Toujours la reine de la nuit. Le matin c'est moins joli. Quelques coups de bistouri, liposuction et lifting. Si je tire encore, on verra sur mon front mon trou de balle et les poils de mon sillon. Plus à personne, j'ai la même gueule que Stallone. Et dire qu'avant j'étais bonne, je vais tout péter si je souris. Je ne ressens plus à personne, j'ai la même gueule que Stallone. Et dire qu'avant j'étais bonne, je vais tout péter si je souris. Je vais tout péter si je souris. Je vais tout péter si je souris. Ah là là. Enrico, comment ça va? Ça va le parking? Faites-moi les you-you. Là-bas les you-you. Au bord de l'eau les you-you. Cette chanson elle est pour les robes. Elles ont toutes la même tête, le foulard bien accroché. Elles portent dans leurs bras un nouveau-né. Si par malheur tu t'arrêtes, au feu rouge t'es niqué. Ton père brise, elle va vouloir le nettoyer. Dans toute la ville, on se tape les bandits en carrefour. Le père qui se tord la jambe, les enfants de chambre. La Roumanie vous rappelle, il faut rentrer un jour. J'en ai marre d'entendre ça chaque jour. À vous! Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 papa, pas là chez moi. Allez, à vous! Donnez, donnez-moi. Donnez, 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 papa malade chez moi. Rentre chez toi, rentre chez toi. Ça va toujours tout long? Là-bas, vous allez bien? On s'en fout. On est super content d'être ici. Alors moi, après, j'ai quitté le bateau, parce que j'ai les jambes de bois, et je suis revenu sur la terre ferme à l'hôtel un samedi soir, et il y avait à la télévision Laurent Ruquier, qu'on peut applaudir très très fort. Bonsoir, je suis très content d'être ici ce soir. Nous ne recevrons pas Jeanne Moreau qui s'entraîne pour sa nouvelle émission Danse avec les Scars, ni Paul Sulitzer. Ah oui, Paul Sulitzer qui devait venir nous parler de son livre de recettes de cuisine, toutes les recettes du légume aux éditions ABC. Mais on a une surprise pour vous ce soir, un humoriste qui vient nous faire un extrait de son nouveau spectacle, 5 ans sans rien foutre, il est de Marseille, vous le connaissez sûrement, tout de suite un extrait du nouveau spectacle de Titoff, Titoff. Mais oh, mais le monde devient fou, mais oh! Prends une chiffre, j'ai la coupe à glace, mais 4 chiffres, je la mets dans le micro-ondes et je me pars, ça pique, ça pique! Sa folie, hein! Un petit creux, ben, il y aurait bien Kinder Bueno! Marou qui sort! Bambi, 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 Bambi! Voilà. Titoff que j'adore, Titoff, mon Titoff. En plus, il est de Marseille comme moi. Il y a des Marseillais ce soir. Voilà, criez pas trop fort, on n'est pas beaucoup, hein. On va se faire attaquer par les Toulonnais après.
Et j'adore Marseille. Moi, je suis souvent à Paris pour la tournée, un petit peu partout. Et puis, quand je rentre dans le sud, je vais de suite à Marseille voir ma famille. Et puis aussi à Marineland. Vous connaissez Marineland, ce parc avec les dauphins, c'est super. Et vous avez lu dans Var Matin, d'ailleurs, il y a un enfant qui a été sauvé de la noyade par une baleine. Hein, tombé dans le grand bassin, vous avez vu? Non, c'est super parce qu'il y avait une image, une photo de la famille qui a été remerciée Loana pour ce geste. C'était. Bon, ok, on n'en parle plus. On va retourner sur la télévision. La télévision, moi j'adore ça. Vous regardez tous la télévision. Et il y a une émission qui m'intrigue, ce sont les Victoires de la musique. Je vais vous faire tout de suite un extrait d'ailleurs, c'est parti. Bienvenue dans les Victoires de la musique. Le prix est attribué au prêtre chanteur. Ce soir c'est la dernière, 3 ans de tournée, on vous a tout donné. Des chansons et des prières, la messe est terminée, on quitte l'évêché. Des années qu'on se retient face aux filles hystériques, ferme boutique. Dieu me pardonnera, mais on n'en peut plus. La soutane est tendue, et ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Je vais te mettre les bras en croix, te clouer sur le matelas. Oui, tu vas prendre. Tu vas prendre, je vais te donner un hostie, tu t'en souviendras toute ta vie. Oui, tu vas prendre, non, ça c'est le maire. Oui, tu vas prendre, pour faire la dette sous Birou, tu vas te mettre à genoux. Oui, tu vas prendre, il fallait bien que ça arrive, hein. Tu vas prendre, je vais te faire un miracle à l'envers. Tu mettras plus un pied à terre, oui, tu vas prendre. Le prix de celle qui préfère les bains de foule à sa baignoire, la Eva Jolie de la chanson française, Zaz. Chanel, c'est pas pour moi, du vernis et une lime, j'en ferai quoi? Du déo, c'est pas la peine, je n'en mets pas, des shampoings à la cannelle, c'est pas pour moi, mes rastas, je les touche pas depuis des mois. Je suis comme ça, ça va tout long. Je veux toujours sur moi garder cette odeur. Je me brosse pas les dents, je vais pas chez le coiffeur. Mon gynéco est mort en sentant mes ovaires. Je fais du compost et la sciure dans mes WC. Ma salle de bain, j'en ai fait un cellier. Je mange des légumes, mais je fais pousser. Serge Lamas. Mon révoile me fera l'hôpital, toute la journée, ses visites médicales. Ils font ses mal partout, regarde si tout va bien. Je m'en ferai chez moi, s'il ne trouve rien. Je m'en révoile me fera l'hôpital, j'aurai même droit à un toucher rectal. Je suis content, bon, pas le cul, mais je suis content. Hey, chérie, c'est la pub. Pour son dernier Olympia, Eddy Mitchell vous chantera la IUL. Il vous chantera également la RR.
vous chantera sûrement pas de oui oui. Eddie Mitchell à l'Olympia, c'est tout le mois de décembre. Spectacle disponible en audio description. Ça va toujours Toulon ? C'est la folie ce soir, on est super content. Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre émission que vous regardez aussi, c'est Les Enfoirés. Hein, vous regardez Les Enfoirés avec le petit nouveau qui a intégré l'équipe, ça va vous faire plaisir, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, tu es venu plusieurs fois ici, hein, Nicolas, je me rappelle. Il y a François Hollande qui est venu aussi. Enfin, c'est François au large, hein, parce qu'il était sur le porte-avions. Hein. Il y avait beaucoup de monde, hein. J'ai vu la commémoration là, c'était à la télévision, j'ai regardé, il y avait la ménopausée reine d'Angleterre là, qui n'a pas vu déclarer débarquer les Anglais depuis longtemps, et il y avait Chirac il est venu, hein. Il ne se rappelait plus pourquoi, mais il était là, et Gérard Depardieu même qui était venu, Gérard Depardieu après une soirée arrosée, il est venu pour déposer sa gerbe et ça a fait plaisir à tout le monde. Alors, revenons aux Enfoirés mesdames, messieurs, les Enfoirés, donc tout de suite, c'est parti, le générique et on y va. Si on commence avec Faudel. Marine Le Pen, j'ai peur de toi. Marine Le Pen, je pense à toi. Marine Le Pen, toutes les nuits. Marine Le Pen, tellement je flippe, tellement je flippe. Sarkozy. Quand je pense aux années dernières, je mangeais encore aux fouquettes. À l'Élysée, c'était la fête. En jet privé, je voyageais. Quand je pense aux nouveaux locataires, j'ai de la peine pour les Français. Qu'est-ce qu'il en reste? Un changement qui ne va pas durer. Ne m'appelez plus pour la France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus pour la France. C'est le flambi que vous vouliez. Mais j'arrive qu'en l'état, les peines m'a pas besoin. Bonsoir tout le monde. Aznavour. Putain, ils sont où l'orchestre, ces enfoirés? J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet, en sacrifiant ma gauche contre le temps, mes amis. Mes amours, ben je vous emmerde. Bonsoir. Carrière des cas.
ruche immonde. Chocolat rond se fait abstinence. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait me faire plaisir. Je dis, si j'insiste, j'insiste, ah, si je veux du pétrolana. Pour la vie, je t'en supplie, toi, du pétrolana. Je t'en supplie, pour la vie, car sur ma tête, il n'y a que du cuir. Je veux du pétrolane. Merci. On continue avec Christophe Maé. J'avoue, c'est pas le bonheur. Tu manquais mon amour. Mais quand je suis seul, j'ai peur. Je découvre sur Google un site qui envoie du lourd. Oh merci Jackie et Michel, j'imagine ce que tu dis. Il a quand même pas fait tant que ce que je pense. Eh bien oui, j'ai le PC, le sopalin et je commence. J'ai laissé des traces sur le clavier, j'ai laissé des papiers tout collés, j'ai vidé l'historique, on sait jamais, pour que tu puisses pas un jour me coller, j'avoue. Toulon ce soir c'est la folie, vous êtes au top, est-ce que ça va toujours? Oh, vous êtes vraiment un public The Voice. Un public pratiquement... C'est con que ça soit pas venu les trois d'ailleurs. Un public The Voice, ce soir, décroisez les bras, monsieur. J'ai un ami, il applaudit les bras croisés, il s'est pété les rotules, là, je vous le dis, pour vous. Hein. Et levez les pieds de la grille aussi, elle est électrisée. Alors, ce soir, mesdames, messieurs, dans The Voice, vous regardez tous The Voice, c'est formidable, avec le présentateur Nikos Aliagas, hein, le grec, le seul grec qui a encore de l'argent et du travail en France, d'ailleurs. Et... Une émission particulière, attention, les fauteuils sont tournés, tout le monde est prêt, on y va. Attention, faites-moi un public The Voice. Générique. Oh, salut les loulous. Bonsoir et bienvenue dans The Voice, en direct de Toulon, 500 000 personnes ce soir, et c'est la folie. Faites du bruit. Ce soir, une émission particulière, des célébrités ont décidé de faire une blague au jury. Alors, si vous voulez que la star reste, tapez. C'est bien. Si vous voulez qu'elle dégage, vous tapez. Et si vous voulez que je la ferme, tapez. Non, tapez-moi. Mais surtout, téléphonez nombreux, 120 euros la minute. Vous pouvez le faire, j'en suis sûr, avant de payer le tiers provisionnel. Alors, ce soir, mesdames, messieurs, c'est la folie dans The Voice. Le premier candidat est prêt. Il adore les filles. Je sais pas s'il y a des filles dans la salle. Criez très fort, allez-y pour voir. Va falloir crier quand il va rentrer. Les quatre fauteuils sont tournés, le suspect est à son comble. On y va. Attention, le premier candidat, mesdames, messieurs, Patrick Bruel. Patrick ! Ça ? Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai allé beau. Montrez ma voix. Je suis pas là pour faire une partie de poker. Je suis là juste pour vous montrer ma voix. Ça c'est ma voix. Ça c'est ma voix. Ça c'est ma voix. Tout le monde, levez les bras. Tout le monde, levez les bras. Ça c'est ma voix. Ça c'est ma voix.
ouais, pays. Ça c'est ma voix. Arrêtez, j'ai mal au cœur, putain. Ça c'est ma voix. Salut. Oh, quel dommage! À présent, mesdames, messieurs, une candidate exceptionnelle. Allah, ça va faire mal. Laisse-moi kiffer la burqa sur la tête. Plus de coiffeur et plus d'esthéticienne. Les rouges à lèvres au tricoté, j'arrête. Depuis que j'ai la burqa sur la tête. À présent, le patron, le king, qui a décidé de tenter sa chance aussi. Mesdames, messieurs, tout un applaudissement pour monsieur Johnny Hallyday. Michel, tu peux m'ouvrir le rideau, on est prêt. C'est ouvert. Comment ça, il est ouvert? Je n'ai pas demandé la couleur du rideau, je t'ai demandé de m'ouvrir le rideau. Allez! Mais ils sont de l'autre côté. Mais je le sais, Michel, qu'ils sont de l'autre côté. Allez, bouge-toi. Non, eux, ils sont de l'autre côté. C'est toi qui es à l'envers. Tourne-toi. C'est sûr? Ils sont derrière toi. Oh putain! Bonsoir, part de MOOC! Ça va? Les filles! Les garçons! Les autres! Allez, tout le monde! Après, on fera les fessiers. Rock and roll! Oh putain, les gars, je m'as-tu niqué la routine? Tu sais ce que c'est, toi, hein, papy? Amenez-lui de la sciure, elle fait pipi. Je suis très content d'être ici ce soir sur le beau parking de la, cette belle ville que j'adore depuis des années. La belle ville de... Michel! Oui. Viens voir, Michel. Pardon? Où qu'on est ce soir, je ne me rappelle plus. À Toulon. À Toulon? Oui. Toulon. Toulon. À Toulon. Comme nous. À Toulon, tout est long. Voilà. À Toulon, tu veux savoir quoi? Non, le vrai nom de la ville, s'il te plaît. Allez, fais pas le con, il y a le maire. Monsieur Falco. J'adore votre série sur TF1. J'attends la saison 2 avec impatience. Hein. Vous courez vachement vite. Hein. Alors, à Toulon. À Toulon. Ah, putain, je sais. Je me souviens. J'étais venu chanter une fois ici. Il y avait des bonnes spécialités locales. Il y avait la dorade, le gobi, il y avait tout plein de poissons et le pilou-pilou. Ouais. Pilou-pilou. Oui, c'est un bon poisson. On m'avait dit, tu sais, ici, les spécialités locales, c'est la dorade, le gobi et le pilou-pilou. Et alors? Tu le connais? Le pilou-pilou? Non, j'ai jamais bouffé ça. Ben, ils vont t'en donner, si tu veux. Pourquoi, c'est quoi? Ben, demande-leur. C'est quoi, le pilou-pilou?
C'est une chanson? Oui. Ah putain, vous auriez dû faire le concours de chant. Alors attention, allez-y, chantez le piou-piou. Pilou-pilou. Pilou-pilou. Ok, on y va. Oh, pilou-pilou. C'est ça qu'il faut que je chante, Michel? Laisse tomber. Ok, pas de problème. Alors on y va. 3, 4. Arrête, arrête, arrête. Michel. Viens ici, Michel. Je crois qu'il y a un grand problème. Non, il n'y a pas de problème. Oui, tu m'as dit de me tourner. Oui, t'étais tout passé pour un con, hein. Et je me suis tourné, et je m'aperçois que les quatre fauteuils rouges sont tournés également, mais vers là-bas. Je me suis trompé de côté. Non, les quatre fauteuils qui sont tournés sont le jury. Sont rouges. Oui, c'est le jury. Ah oui, je suis pas con. C'est le jury. Donc le jury est tourné, tu vas chanter. Voilà. Si ça leur plaît, ils se tournent et ils te buzzent. Et ils me buzzent. Ils me quoi? Ils te buzzent. Ils vont me buzzer? Ça fait 2 mois qu'ils te buzzent. Ils t'ont pas buzzé à toi, non, hein? Non, je ne sais pas. Toi, tu aimes pas quand on touche un petit peu les poils et les cheveux. Ils se retournent pour que je les buzz aussi? Non, toi, tu t'occupes de rien, tu chantes et ils te buzzent. Et ils me buzzent. C'est un petit peu, je fais la Clara Morgan ce soir, c'est si tu veux. D'accord. Je comprends mieux les trous d'air, hein? Mets-moi du talc dans la loge. Merci. Oui, merci. Allez, on y va, vous êtes prêts, Toulon? Les filles! Les garçons! Vous allez chanter avec moi ce soir. Et ils vont se retourner. Quoi ma gueule? Et qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui va pas. Pourquoi tu te retournes pas? Moi j'ai rempli des zéniths. Jamais on ne m'a fait ça. Tournez le dos à Jolie. Ça se fait pas, tu sais ça. Tout le monde, quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Plus fort tout le monde, quoi? Et qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Merci tout le monde. Merci. Michel, je suis coincé. On t'envoie de l'aide. Merci. Viens ici, le dafunk. J'aurais dû mettre des fumogènes, ça m'aurait fait le feu au cul. Allez, salut! Allumez le feu! Merci Toulon! Merci beaucoup à tous, merci! Merci, au revoir et à bientôt, merci! C'était quelques extraits de son spectacle qui dure plus d'1h30. En tout cas, si vous avez aimé, dites-le lui. Benji Dotti! Merci beaucoup, merci, merci. J'aimerais, comme c'est la dernière, bien évidemment, remercier tout le public qui nous suit sur toute la tournée. On revoit des visages qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, mais ceux qu'on ne connaît pas, on les aime quand même. Merci d'avoir suivi la tournée. Merci, bien évidemment, à mon Michel Mitran, mon papa. Je vais l'appeler papa à partir d'aujourd'hui. Je t'adore. Merci beaucoup. Et merci au groupe qui m'a suivi sur toute la tournée, les Alcooliques Anonymes. On trouve leur album dans les bacs. Un bac à sable, j'espère. Et toute l'équipe technique, évidemment, et mon producteur Fantasy Prod, Jérôme Leleu. Et j'aimerais vraiment qu'on immortalise ce moment et qu'on fasse une petite vidéo avant de se quitter. Si vous voulez bien tous vous lever, ceux qui le peuvent. Hein. Les réseaux sociaux. Oui, pour mettre sur Internet. Hein. Levez-vous, tendez les bras bien haut, ceux qui ont des bras. Et on va faire une vidéo, vous allez rester, on va vous mettre sur Internet. Et puis... Allons enfants. Non, pardon. Ce soir, j'étais à Toulon, c'était la dernière du Sun Tour avec mon Michel Mitran qui est là. Tout le groupe qui est ici également, sans oublier le public. Comment ça va? Merci.